Voilà, donc euh, bienvenue pour ce nouvel épisode de Céréales. Donc pour le mois d'août 2024, comme chaque mois, donc je vais parler des photos prises ou éditées euh, du mois passé, en fait le mois passé. Et on commence directement avec du film. Donc euh, pas mal de films ce mois-ci. Et on commence avec un appareil photo qui est le Olympus Pen -E -E, Half Frame, donc un, un appareil photo assez ancien, qui n'a pas de batterie. En fait, qui fait son exposition simplement avec la, la force de la lumière qui touche le, le senseur en fait, pour la, le réglage de luminosité. Un, une optique donc 30 mm f2.8. Euh, euh, il y a eu plusieurs modèles, mais donc ça c'est celui-ci. Et là, deux images côte à côte avec un film, qui est, un film que j'adore, le Harman Phoenix 200 ISO. Euh, et là, c'est l'île de Viday. Euh, c'est tout près de la ville de, de Reykjavik, un petit ferry. J'en ai parlé déjà la semaine passée. J'ai fait quelques photos, quelques séries euh, ici, le temps que le film soit développé. Voilà un, un détail de ces colonnes de basalte à gauche. Et à droite, des prairies en fait, sur cette île qui est protégée, qui est qui qui historiquement protégée. Alors, ce film, là, de deux autres images, ce film Arman Phoenix 200 ISO, comme j'en ai déjà pas mal parlé dans le passé, euh, a des caractéristiques de couleurs assez particulières, euh, notamment avec les hautes lumières, ces côtés orangés et jaunes qui ressortent beaucoup. Alors, évidemment, si on numérise les, les photos et qu'on rééquilibre un peu les couleurs, on, on arrive à faire d'autres choses avec. On, on a un grain très particulier aussi. Euh, mais en général c'est quand même vraiment cette, euh, cette, cette, euh, comment dire, ce style là qui ressort en fait, de, de ce film j'ai une vidéo spécifique sur l'Arman sur Phoenix 200 j'en referai une un peu plus tard euh, avec un peu plus d'expérience mais vous pouvez aller voir aussi cette vidéo si ça vous intéresse et là c'est toujours le toujours même, toujours même appareil à gauche c'est le Parc National de Singvelier c'est la première photo de, de ce rouleau de, ce, de ces 36 images en fait 72 vu que c'est un appareil photo demi-format ou simplement un détail du coucher de soleil à Reykjavik, avec là justement ce, ce flair dans l'objectif, lié aux caractéristiques de l'objectif et du, du diaphragme. Euh, en fait, c'est l'ouverture du diaphragme qui est, est modifiée automatiquement par cet appareil, qui est entièrement automatique. En fait. euh, dans certains cas, là, voilà avec ce film, ces couleurs qui sont assez saturées, assez particulières, on, on voit à la gauche par exemple avec des détails de gravier. Euh, dans un chantier, je trouvais intéressant le, la manière dont ressortaient les gris et les, les couleurs un peu brunes dans un jour euh, ensoleillé. Ou à droite, là, euh, un, une, un bord de mer de Reykjavik euh, euh, avec ses, ses verts bien particuliers, ce ciel, ce bleu euh, qui ressort toujours très, très, très bien dans les, dans les jours ensoleillés euh, par rapport aux nuages. J'aime vraiment beaucoup ce film. Euh, des très beaux paysages, à part ça, toujours l'Islande. Euh, là, je suis un petit peu centré sur l'Islande. Ces, ces derniers mois, euh, ici deux images encore, toujours le même équipement. Euh, il y aura, un, je vais faire un, une vidéo sur, ce, sur ces appareils photo Olympus euh, Pen EE, euh, 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 mais donc là j'ai fait quand même pas mal de photos. Euh, et, et là c'est une image à gauche d'un bâtiment depuis l'intérieur d'un bâtiment sur cette île de Vidé, ou à droite à nouveau le parc national de Thingvellir qui est à l'ouest en fait de, de l'Islande, euh, superbe de superbes paysages, euh, des lacs, des montagnes c'est très très beau c'est un petit peu là où en fait on appelle ça un peu le golden circle le cercle d'or c'est par là qu'on passe aussi mais là c'est la côte sud euh, où, qui est un peu plus réservée par rapport aux touristes euh, aussi j'ai essayé cet appareil photo avec un flash externe euh, ça marche relativement bien euh, bon les photos là sont pas particulièrement terribles je les aime, je les aime bien en fait parce que c'est aussi un peu le rendu du de ce harman phoenix avec flash je l'avais pas vraiment fait auparavant là je l'ai vraiment utilisé à 200 iso simplement des détails que j'aime bien avec ce cette, comme il n'y a pas de couche anti-halation derrière avec ces sortes de dora orange qui ressortent euh, là où il y a beaucoup d'exposition euh, ce qui donne effectivement un caractère assez proche de ce qu'on peut retrouver avec d'autres films euh, de type cinéstyle enfin toutes ces visions euh, 3 de Kodak dont on a enlevé la couche anti-halation et, et voilà encore une dernière image avec cet appareil photo même appareil photo, même film. Là, les, les volcans qui sont sur le Grindavikurber. Là, c'est là où il y a le volcan actuellement actif, en ce moment même, qui n'était pas encore actif à ce moment-là. Euh, toutes ces chaînes de volcans au sud-ouest de l'Islande. Euh, on change d'appareil. Donc, Comme je suis en train de tester aussi assez extensivement le Pentax 17, ce nouvel appareil photo euh, demi-format de, de Pentax, un design nouveau, euh, que je teste au travers de, de très nombreux films. Euh, si vous voulez voir déjà les, les, énormément de vidéos sur cet appareil, mais je vais essayer de faire euh, quelque chose d'un peu plus extensif euh, sur quelques mois d'utilisation avec différents films. Euh, voilà, ça c'est le même paysage au même moment avec euh, comme film du OSK200 ISO. Je parlais des films euh, dont on a enlevé la couche anti comme le ciné -style. C'est l'équivalent en fait, c'est du Vision 3 de chez Kodak euh, dont on a enlevé le film, le film la couche anti-galation derrière. Et là donc c'est avec le Pentax 17, euh, camera, appareil photo demi-format avec un objectif 25 mm f3.5. Euh, on voit vraiment la différence de rendu par rapport à, à tout à l'heure. Euh, ici côte à côte donc à gauche, euh, j'en profite pour faire un, des, des petites comparaisons. À gauche le Phoenix 200 avec l'Olympus PEN EE. Euh, même scène au même moment avec euh, à droite euh, le ASK200 ISO euh, et le Pentax 17 euh, voilà ça, me prendrait euh, ça donne une idée déjà de la différence ici, aussi entre les lentilles mais aussi vraiment le rendu des couleurs par, temps, par ce beau temps euh, ici par un temps plus gris, même chose euh, à gauche le Pen et le Phoenix 200 à droite le Pentax 17 avec le ASK200 euh, bon c'est pas exactement le même angle le Pentax a un 25mm comme objectif le pen à 30 mm, mais on voit vraiment le rendu des couleurs différents. On, on se rend compte aussi que le, le rendu optique en fait de, du Pentax est, est bien plus précis qu'une lentille moderne, mais c'est pas trop ce que je préfère. J'ai une petite tendance vers le Pen euh, de cette combinaison là. Euh, bon, là on part directement sur Là, j'arrête les comparaisons. Il y aura des vidéos spécifiques sur donc le Pentax 17 et le Pen, euh, enfin les Pen. Euh, euh. Ici, le, on vient avec le Pentax 17 et le Aska 200 ISO comme film. Simplement pour se rendu des couleurs avec ce, ce film qui n'a pas de couche anti dans, dans les hauts contrastes, on a ces auras euh, rouges, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Ça, ce sont des, des jardins Reykjavik l'été. L'Islande, on, on la voit par des photos généralement de paysages, des hauts plateaux, des volcans et tout ça. Mais aussi en ville, c'est un paysage foisonnant de, de fleurs. C'est très beau, C'est par les beaux jours, en mai, juin, juillet, juin-juillet surtout. On a vraiment des, des fleurs partout, euh, de, de la lumière pratiquement euh, enfin très longtemps. On n'a pas beaucoup de nuit. Et en fait, la végétation euh, est luxuriante. Les, les habitants aussi, on, on, on apprécie ça. Donc on, on se retrouve vraiment avec beaucoup de fleurs partout, un peu dans tous les sens. Euh, voilà encore deux exemples, même équipement, euh, donc Reykjavik, à gauche hein, par jour gris, à droite euh, par jour très ensoleillé, juste pour donner aussi une idée de, de, du rendu de ce film, euh, et aussi du rendu de l'optique du Pentax, même si c'est pas une revue de, du Pentax, pas encore. Voilà, ça me donne une petite idée. Euh, donc ce bâtiment en, en train de se déconstruire là sur la, de la belle Reykjavik, en fait la belle derrière moi. Euh, ou sinon, ces deux images, donc une image à gauche prise depuis l'île de Vidé de, de, du port marchand de Reykjavik, euh, ou à droite, euh, Notolsvik, c'est une plage en fait publique euh, près de l'aéroport de Reykjavik. Il y a un, un aéroport domestique à l'intérieur de la ville et des bains thermaux et aussi une plage de sable qu'on devine en fait. On, si on ne sait pas, on ne la voit pas vraiment sur cette photo, mais elle est là euh, au milieu à droite et elle nous permet d'aller aussi nager dans, dans la mer. On voit aussi des, des radeaux hein, un petit peu au loin où les gens vont se baigner. Euh, la mer qui est bien plus froide, mais alors eaux thermales est fantastique. Euh, ou encore ici deux détails. En fait, la, comme je testais le, le Pentax et son optique, euh, on voit un petit peu la précision et le rendu moderne de, de cette optique. Malgré le demi-format, on a vraiment suffisamment de qualité de définition pour la plupart des, des images qu'on veut rendre. Bon, là, les scans sont plutôt bons, mais, mais voilà, c'était juste un détail en macro, hein, car c'est une optique qui permet de faire de la macro ou simplement hein, des détails de rocher et de sable. Euh, là, on passe à du numérique. Euh, deux images. Je fais un petit peu vite, mais bon, ça, ça dépend des mois, ça dépend un peu de l'ambiance. Euh, vous pouvez toujours poser regarder les, les photos si ça vous dit. Euh, la vidéo est en, en 4K, normalement vous avez pas mal de définition. Euh, ici, c'est avec un appareil photo assez ancien que j'avais pas utilisé depuis de nombreux mois, le Leica plein format M240 de 2012, un appareil qu'on trouve pour Super cher, enfin assez onéreux malgré tout, mais, mais qui, est, qui est vraiment pas très cher comparativement à ce qu'on pourrait imaginer pour un Leica à monture M. Et là, c'est avec un objectif, le Macro Elmar M90 mm f4, donc pas très ouvert, mais un, un, appareil, un appareil, une lentille télescopique, donc qui se, qui se collapse, qui devient plus compact quand on ne l'utilise pas. C'est un petit peu ennuyeux à utiliser des fois, mais en, en fait, là je voulais tester, je ne l'avais pas vraiment testé, c'est une optique que j'avais à tester depuis un certain temps c'est utilisable. F4, euh, on aime bien avoir plus de d'ouverture, mais F4, en fait, ça marche assez bien, surtout dans une optique de cette qualité. Euh, donc ça, c'est à gauche. Et dans la ville de, je crois que c'est Hirshalt, au Danemark, ou à droite, euh, là, c'est Skanderborg, c'est la mer, enfin Skanderborg, une, un petit lac, en fait, un petit lac, un lac. Euh, là, c'est plutôt au sud du Danemark, donc à gauche, au nord du Danemark, au sud du Danemark, à droite, un petit peu dans le désordre. Euh, voilà, toujours ce rendu de cette optique. Là, je trouvais intéressant aussi ce, ce lac, le même lac, euh, vu au coucher de soleil à gauche. Ce rendu avec des hauts contrastes sur un capteur CMOS de 2012, donc de très haute qualité, sur ce Leica M240. Euh, un appareil de Leica qui avait aussi une tendance à avoir un, une, une science des couleurs un peu saturée, que les gens apprécient pour ça. Alors, euh, la sensibilité aux basses lumières n'est pas terrible, aux dynamiques non plus, dans les hautes lumières non plus, comparativement à ce qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, on peut quand même faire quelque chose d'assez intéressant, c'est un appareil photo qui est super agréable à utiliser. Et à droite, euh, même endroit, le, le matin, un autre point de vue, et moins de contraste évidemment, euh, en raison du soleil qui est, qui est en arrière-plan, enfin qui est en arrière, qui est derrière moi. Euh, mais voilà, très bel endroit, le Danemark est très beau aussi en, en été. Euh, voilà, encore deux détails. À gauche, euh, une image que je trouvais amusante de ce... Cette chaise roulante, cette vieille dame qui était super sympa. En, en passant, je, je l'ai vue avant que je ne prenne la photo. Et cette petite usine au milieu du Danemark. Euh, euh, ou à droite, simplement, alors là c'est au nord, c'est près de la mer, enfin c'est vraiment quasiment au bord de la mer. Là c'est un canal qui est à genre à 50 mètres du bord de mer, à Luxter, euh, donc nord du Danemark. Un, un détail que je trouvais amusant. Hum, toujours ce M240, pour ceux qui ont... Bon, j'avais déjà fait quelques images auparavant, on, on en a vu dans, dans Matnum euh, d'il y a deux semaines, et aussi, un, je crois, dans Serial. Enfin, à gauche, euh, toujours le même équipement, le M240 avec ce 90 mm. Pardon, je n'ai pas dit, mais c'était la même optique euh, euh, pratiquement pour toutes, sauf la plage de Langstor, les deux premières images du M240, du M240, à droite, c'était un, un record M Minolta. Euh, je vais revenir là-dessus peut-être après, je ne peut-être pas. Mais enfin bon, c'est un M242.8 euh, d'ouverture 28 mm, avec un petit peu de, de haze, un petit peu, un petit peu tendance à... Euh, mais vous pouvez les revoir avant si vous voulez. Mais bon, enfin bon, voilà, désolé. Euh, il n'y a qu'une image, mais on en reparlera. Et ici deux détails, donc, euh, central, centre du Danemark à gauche et à droite, une plage près de Hirtshals, au sud de Hirtshals, à Thornby. Je trouvais amusant ce nageur en, en sur le sable qui faisait du crawl. Ou euh, aussi simplement, voilà, Hirsalt, cette ville d'où partent les ferries pour, pour destination de, des îles Fairway ou de l'Islande, notamment et de la Norvège aussi. Euh, je crois aussi qu'il y a des lignes pour la Suède. Euh, voilà, toujours le 90 mm f4, le macro Elmar M, que j'ai testé assez extensivement. Je ferai, une, je ferai une vidéo probablement sur cette optique. Euh, et donc là, c'est. Hirtshals à gauche, euh, et Thornby à droite, un, un mini-golf que je trouvais amusant à travers de cette fenêtre. Euh, toujours le même équipement, euh, j'ai utilisé extensivement cet appareil photo pour ce voyage en particulier, donc où je suis remonté, j'ai traversé la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, et ensuite pris le ferry pour les îles Fairway et ensuite pour l'Islande. Euh, donc là deux détails depuis le ferry entre le Danemark et les îles Fairway. Euh, voilà une optique qui marche vraiment bien, un beau bouquet euh, malgré cette ouverture à F4 minimum. Enfin, oui, minimum. Enfin, c'est la plus grande ouverture, mais c'est le minimum du, de, de la focale. Euh, Ou ici simplement un détail de, de Torshavn donc le, le port de Torshavn aux îles Fairway. Euh, lors de l'escale de ce ferry qui remonte, c'est un ferry qui s'appelle le MS Norona, un euh, superbe bateau. Euh, le ferry décliné euh, super superlatif, super euh, confortable, hormis les possiblement des fréquences de vagues qui vous donnent le mal de mer, mais ils ont les médicaments sur place si nécessaire. Euh, et donc là, c'était la, la Smeril Line qui fait ça. Je ne peux que recommander ces deux jours et demi de ferry entre le Danemark et l'Islande. Euh, voilà, encore deux détails. Enfin, un détail à gauche de Torsavne, aux îles Fairway, euh, vu de, du haut du ferry, ou simplement le... le la, la ligne en fait euh, du passage du ferry lors de la fin de traversée au soir on voit là un peu le grain du M240 qui a de la peine avec son ancien capteur enfin son capteur de d'ancienne génération euh, ici on passe à deux images qui sont du film du moyen format aussi en train de tester le Ferrania Helioflex 2 j'avais déjà testé l'an passé comme d'habitude je fais mes tests vraiment sur la longue durée je testé je crois à Milan. Euh, j'ai quelques films qui sont faits avec celui-là. En vue d'une vidéo possiblement bientôt euh, sur l'appareil. Donc c'est du moyen format, du 6.6 sur du film 120. Et là, c'est du hectare 100, sans ISO. Et j'ai eu un petit problème d'embobinage du film. J'y suis allé un peu au feeling. Je n'ai pas regardé à travers la lucarne derrière. Ça me semblait superflu. Donc je me suis un peu fié au son. Et donc je n'ai pas embobiné suffisamment. Donc j'ai fait plus d'images. Hum, J'aime bien le... Cette optique, enfin, je trouve que bon, là, il y a un petit peu des. On, on voit que l'optique n'est pas super. pas propre, mais elle est un petit peu usée, ce sont les revêtements qui sont un peu usés, on le voit en, en périphérie. c'est pas vraiment un vignettage, mais il y a quelque chose. Euh, ou à droite, en, en bas, là, c'est mon problème d'embobinage. Euh, on va le voir sur l'image d'après, là, paf Donc les images se superposent un petit peu dans, dans mon rouleau. Mais je trouvais intéressant, en fait, au final, ce rendu, euh, cette image-ci, qui était à Londres, en fait. C'est des films qu'on traînait depuis assez longtemps. Euh, avec cet Helio Flex qui, contrairement au 1, qui avait une ouverture maximale à 8. Là, c'est un 75 mm f6.3, un, un Ferrania anastigmatique 6.3 sur un appareil qui monte au 2 centièmes de seconde, qui n'arrive pas à aller plus lentement que le 25e, mais qui a un mode B. Euh, voilà, moi je trouve intéressant. J'aime bien le lecteur en fait. Tout le monde dit que c'est dur à scanner, mais je trouve qu'au final, euh, j'aime bien ce rendu. Euh, et bon, ben le 6.6, euh, malgré tout, un appareil photo que je trouve intéressant. Je trouve qu'il y a du détail, il n'y a pas beaucoup de caractères, mais quand même, on a un, un aspect un, vraiment vintage du rendu. Il y a pas mal de piquets au centre, on, on le perd évidemment en périphérie. Mais un appareil photo extrêmement compact pour un 6.6, c'est vraiment facile à utilisation, sympa à utiliser. Euh, ici, on, passe à, on retourne au Pentax 17, demi-format moderne. Et là, avec du Santa Color sans ISO, donc comme film, c'est un Aero Color de Kodak, un film qui était fait pour faire des photos depuis les heures, euh, qui avait été embobiné donc, sous, euh, par Santa Color, euh, enfin par Santa Color, qui est du Santa Color en fait, sans ISO, on le trouve encore, je crois. Euh, et là, à gauche, donc, le centre du Danemark, à droite, euh, le Skanderborg c, là c'est le lac dont on a déjà vu quelques photos toujours avec le même équipement, euh, un peu les mêmes endroits, à droite Saint-Denis-en-Marc. Euh, on voit que dans les hauts contrastes, ce film a un petit peu de peine, euh, surtout quand on on le règle un petit peu en sous-exposition. Moi, j'aime bien régler en sous-exposition pour les pour les ciels. Mais en fait là, j'ai même pas du tout réglé en fait. En, là, je dis n'importe quoi. Le Pentax 17 euh, ne le permet pas. Donc voilà. Euh, mais malgré tout, Pentax 17 qui qui fait relativement bien son travail d'exposition. On le voit à gauche, là, c'est un détail de Hirtsalt, cette ville au nord du Danemark. Encore un détail, même endroit, même équipement. Euh, ces ambiances de, de fin de journée avec ces, ces soleils rasants. Ou ici, un petit peu au sud donc, de, de Hirtsalt, c'est une, une vue d'une plage. Ça pourrait être un peu n'importe où, mais avec euh, une nageuse au centre qui traverse la vague. C'est un petit détail, mais. Enfin, voilà, c'était juste. Euh, je trouve intéressant aussi le rendu de cet aérocolore je l'aime beaucoup. Un film qui est, qui est peu utilisé, mais qui mériterait d'être produit peut-être en, en plus grande quantité par Kodak, car voilà, comme à, avec cet exemple-là, un coucher de soleil sur ce, ce lac de Skanderborg, euh, vraiment un très beau rendu. Et, et là, le Pentax 17, ça a beau être du demi-format, je trouve que c'est assez assez bluffant. Euh, J'ai encore quelques images avec ce Pentax 17 ce mois, euh, et cet À gauche, toujours ce lac, euh, on voit vraiment une gamme de. D'exposition qui est relativement bonne euh, après numérisation, on arrive vraiment à récupérer du détail un petit peu dans les hautes lumières aussi. Le Pentax 17 fait bien son travail d'exposition à droite. Là, simplement un petit détail euh, un peu anonyme avec des, des roues euh, divers. Ou ici à Reykjavik, un jour plus gris, donc ça donne aussi un petit peu une idée de, du rendu de ce film les jours gris où il y a peu de contraste et la capacité du Pentax 17. Euh, ça, c'est le Olavatla Gardur, c'est le, le cimetière ancien du centre de Reykjavik. Où j'ai testé aussi le Pentax 17 avec son flash, euh, un détail avec une lunette sur la route que je trouvais marrant, très peu de contraste, mais le flash qui expose plutôt pas mal. Euh, ou cette fleur en position macro à droite. Le euh, Pentax 17 a une position macro, alors c'est un appareil photo où on a les icônes pour régler la, le focus, donc. mais ça marche bien. Et là, on passe à totalement autre chose. On arrive un petit peu à la fin de ce mois, euh, mais là, c'est encore du M240, donc avec ce capteur relativement ancien de 2012, avec un objectif qui est le Pinhole Pro, qui permet de régler la. Un... En fait, c'est un trou, c'est pas vraiment un objectif, mais qui utilise l'effet les... optique d'un trou. Où la lumière va se focaliser à l'arrière, et on peut régler le diamètre du trou sur cet appareil il y a plusieurs diamètres. Sur cet objectif, pardon. Et donc le lac de Sandeborg à droite et, et au centre de l'Allemagne à gauche, hein, un détail. se rendu très particulier. Évidemment, les lumières sont très basses, vu que c'est vraiment des, des ouvertures très faibles. Et là, on voit vraiment le, le grain des, du capteur, que ce soit à gauche ou, ou encore beaucoup plus à droite, avec le lac de, de Sandeborg. Euh, et là, on passe à totalement, alors, un appareil totalement différent le S007 de Leica, moyen format, capteur CMOS moderne une dynamique assez impressionnante, je ne sais plus combien de, de, de dynamique de, de gamme dynamique à cet appareil, mais c'est assez énorme. Et là, avec un objectif absolument redoutable, qui est le Sumarit 70 mm 2.5, à gauche, un détail de Reykjavik, on a vu déjà des, des images auparavant, où là, le port à droite qui mène ensuite sur l'île de Vidé. Ou là euh, sur ces deux images, deux images de l'île de Vidé, une macro à droite euh, d'une hélice de bateau, ou à gauche simplement l'arrivée sur, euh, sur l'île. Euh, et encore deux dernières images avec le même équipement, hein, toujours ce même équipement S007 euh, 70 mm Sumarite S f2.5. Euh, à gauche euh, l'île de Vidé, voilà on voit à quelle distance elle se situe par rapport à Reykjavik. On est dans le dans ce petit port qui mène à l'île de Vidéo, où, où les paquebots d'ailleurs de touristes vont habituellement, où on a cette, euh, ce, ce petit ferry, qui, ce, pas un petit ferry, cette petite navette qui traverse, ou simplement une image de Reykjavik un soir avec un coucher de soleil, avec des gens qui se promènent dans la rue et qui profitent de, de ce somptueux coucher de soleil, assez classique, pas très coloré, mais très orangé et, et très agréable. C'est une, une nuit estivale de Reykjavik. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop long. Euh, J'aurai d'autres images encore de ces séries de films que je n'ai pas encore éditées, qui viendront probablement le mois prochain. Euh, évidemment, les autres vidéos euh, sur les autres appareils séparément. Euh, euh, beaucoup de photos, donc, euh, que je n'ai pas fini d'éditer. Euh, si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, n'hésitez pas, pas, comme d'habitude. Et, et voilà, à bientôt